Ça, frères et chers sœurs, si on retourne 4 mois en arrière, il n'était pas rare, peut-être soi-même, on se retrouve au restaurant avec d'autres et on attend le repas et on commande, ou peut-être on est en train de commencer à manger. Et quelques-uns, et des fois tous, se retrouvent avec le cellulaire, l'écran à la main. On pense qu'on est en train de se rencontrer, mais chacun est devant son écran, en train de communiquer avec quelqu'un d'autre. C'est pas facile de se rencontrer quand on a un écran toujours dans la main. Avec la pandémie, on a pris conscience peut-être qu'on prenait pour acquis la possibilité de se rencontrer et en même temps qu'on prenait pour acquis l'importance du contact humain. Oui, l'écran a été utile, on a eu des rencontres de vidéoconférences, ça nous a permis de surmonter l'isolement et de voir les gens et de parler avec eux. Mais en même temps, on a pris conscience que ça ne suffit pas. Ça ne peut pas remplacer le contact humain, ça ne peut pas remplacer la rencontre avec la personne. Peut-être qu'on pourrait s'entraider et sortir de cette pandémie, dans ce déconfinement, tranquillement, en retrouvant la possibilité de communiquer avec les gens, de rencontrer, de saluer, et peut-être de garder son cellulaire serré quelque part dans un étui ou dans une poche ou dans un sac, mais vraiment être libre pour rencontrer. Sommes-nous libres pour rencontrer l'autre? Sommes-nous libres de l'écran? Sommes-nous libérés de l'écran? Si on pouvait sortir de cette pandémie, libérés de l'écran, pour lorsqu'on est vraiment avec les gens, bien, de vraiment être avec eux, de vraiment les rencontrer. Ça serait un beau fruit, une belle conséquence, une façon de tirer du bien de cette expérience tragique et difficile pour plusieurs, pour tous.